le gouvernement dont j'ai l'honneur de coordonner l'action sous votre haute autorité sera un gouvernement de mission et un gouvernement de combat. Le gouvernement n'aura en effet qu'un seul objectif, la mise en œuvre diligente et réussie de votre programme de société sur la période 2021-2025, fondée sur votre vision 2030 d'une Côte d'Ivoire solidaire. À court terme, nous devons poursuivre notre mobilisation contre la pandémie de la COVID-19 et contre les conséquences sanitaires, économiques et sociales. Il nous faudra aussi toujours nous mobiliser davantage autour des grandes priorités qui guideront notre action et qui sont le renforcement de la paix, de la sécurité et de la cohésion sociale pour notre nation, tout à la fois pour poursuivre l'enracinement d'une démocratie ouverte et apaisée et pour lutter contre la menace terroriste. L'augmentation de la création des richesses et l'emploi, condition sine qua non de notre prospérité, sous votre conduite éclairée, Excellence. Il nous appartiendra de nouer un partenariat neuf, dense et constructif avec le secteur privé pour transformer en profondeur la structure de notre économie. Nous intensifierons notre productivité agricole et créerons un appareil agro-industriel puissant, diversifié et intégré dans les chaînes de valeur mondiales. L'accélération du développement du capital humain pour répondre aux défis technologiques du troisième millénaire au moyen d'une éducation frappée du sceau de l'excellence ainsi que d'un système de santé performant et accessible à tous. Nos succès seront déterminants ici pour donner un avenir toujours meilleur à notre jeunesse, si pleine d'énergie, de projets et de volonté de participer à cette Côte d'Ivoire nouvelle. L'amélioration de l'efficacité de l'action publique et l'émergence d'une bonne gouvernance à tous les échelons, publics et privés, seront déterminantes pour l'efficacité de nos politiques comme pour la cohésion de la nation. La solidarité, la recherche constante de la réduction de la pauvreté, la généralisation de l'accès aux biens et services de base pour le plus grand nombre et l'amélioration significative du pouvoir d'achat de l'ensemble de nos compatriotes. Toutes ces priorités d'action, excellence, n'auront qu'un but, bâtir une Côte d'Ivoire à l'image de l'idéal que vous avez forgé pour notre pays. Là est notre profession de foi et nous ne ménagerons aucun effort pour la réaliser.